Je ne suis pas venue sur terre pour apprendre à me taire, mais pour entendre le chant des oiseaux. Alors pourquoi? Pourquoi tant de mots? Des mots aussitôt dits, aussitôt oubliés. Des mots endurcis à force d'accuser. Des mots qui s'amoncellent comme nos ordures dans nos poubelles. Des mots tordus, mordus, manipulés. Des mots qui regrettent déjà d'avoir été prononcés. Des promesses, oui, des promesses. Des promesses qui ne tiendront jamais. Des paroles au rabais sur les étals des supermarchés, des lettres vendues aux plus offrants, comme nos pensées et notre temps. À quel prix? Pour quel profit? Quel intérêt? Expliquez-moi, s'il vous plaît, quel est l'intérêt d'épargner? Je ne vois que des morts à crédit sur les marchés boursiers, que des dettes au-dessus de nos têtes. Il y en a toujours trop. Je n'en peux plus de tous ces mots avares et bavards, de tous ces bruits, de tous ces cris. Et puisque je ne veux plus leur obéir, il ne me reste plus qu'à les bafouer, les bouffer, les vomir et les détruire. De nouveaux mondes, des mondes silencieux, des mondes mystérieux, pour enfin saisir le son du silence, au-delà des apparences, le silence intérieur et intense, le silence du vent, des cieux et des océans, dont l'écho lent, 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 si lent, résonne, résonne,